betu nyonso sambu na changement. Biso nyonso pona changement. Si suote du a changement. Betu bonso pour changement. Ensemble pour le changement. Les bureaux, ça ne vaut rien sans travail. Et donc, en fait, là, c'est le président Moïse qui nous demande de travailler. En nous offrant ces cadres, c'est pour nous dire qu'on doit travailler encore plus et davantage. Mais merci beaucoup au président parce qu'il nous donne les cadres favorables pour ce travail-là. Sans ces cadres, ça aurait été difficile. C'est vrai qu'on l'a déjà fait avant. Mais avec ce cadre, ça va nous permettre encore d'être plus inspirés dans la sérénité et pour le bien du peuple congolais. C'est ça qui nous intéresse. Tout le monde, eh bien, sera accueilli les bras ouverts dans Ensemble pour la République. Parce que Moïse Katumbi considère que c'est ensemble qu'on peut changer, transformer la République démocratique du Congo. Ce n'est pas Moïse seul qui va transformer le pays. C'est vous qui allez le transformer. Toutes celles et tous ceux qui croient dans sa vision, qui croient qu'on peut encore changer les choses. Donc c'est une campagne qui commence. Ensemble pour la République. Le serment de Moïse Katumbi Chapwe. Celui qui est, celui qui vient, celui qu'on attend de tous, le sauveur de la RD Congo, Moïse Katumbi Chapwe. Ensemble pour la République, un nouveau soleil au Congo. Depuis un temps, mon pays a connu un soleil. Dans mon pays, la nuit était très longue, quand mon peuple s'est couché sans dialogue, quand toutes ces régions vivaient dans le désespoir, et que mon rêve pour un Congo émergent était sans espoir. Dans mon pays, la jeunesse était désespérée, et que le rêve d'un possible nouveau Congo était dispersé, car la nuit, plus que la normale, a te prolongé, et que l'espoir de revoir le soleil te doutait, quand la démocratie et l'art de gouverner étaient très coûteux. Quand tout sans espoir de renaître te perdit, et que mon pays commençait à être vendu, lorsque la classe politique causait de la honte au monde, parce que dans mon pays, la terre n'était plus ronde. Je mène en vie ensemble pour la République, c'est celui du Congo renaître. Quand tout dans mon pays semblait disparaître, j'ai entendu Moïse Katumbi créer un grand parti pour son peuple, en inscription présidentielle, dans une vraie réalité circonstancielle. Je vis dans mon pays, Moïse Katumbi opérait de miracles, quand le régime en ses réalités lui était obstacle. Je vis un Congo émergent se dessiner sur le visage de la RDC et la nuit disparaître dans nos collines, car servir le Congo, son pays et ses propres routines. Alors, il s'est imposé naturellement dans le cœur des Congolais un choix que notre candidat de l'Union Sacrée ne peut jamais supporter comme une croix. Un vrai choix est né, un véritable parti idéal de mon pays est envoyé, Ensemble pour la République. Depuis tout ce temps, le Congo vivait dans le noir, quand le système politique sans vision le posait des objectifs obscurs dans le couloir, avant que Moïse n'arrive, avant que l'idéal du Congo ne s'élève, avant qu'Ensemble pour la République ne voit le jour. Nous avons maintenant un choix rassurant, un grand parti politique très révoltant. Le peuple congolais a trouvé un homme intéressant, Moïse Katumbi, choix du peuple, Moïse Katumbi, l'idéal du peuple. Nous avons trouvé un homme sans peur, qui ne cède jamais à la terreur, quand la gauche lui tend de pièges dangereux. Car leur tactique est d'agir dans le chemin ténébré. Il s'appelle Moïse Katumbi, un homme au cœur sensible au malheur de son peuple, un idéal pour un Congo nouveau, fort et prospère. Il est mon choix, le choix rassurant de tout un peuple. Le seul homme du moment capable de vaincre l'anarchie est celui qui inspire confiance. Possible, un Congo nouveau avec Moïse Katumbi. Peuple congolais, cessons de pleurer,
ensemble agissons. Ensemble on est grand, ensemble on est fort, ensemble on gagnera, ensemble on reconstruira ce bon pays plus bon qu'avant.